Il faut laisser la tête. Et voilà. La tête. Ah, d'accord. Merci. Bravo. Merci. Monsieur le maire, madame la présidente, vice-présidente du conseil général, Anne Saint-Honnet, je suis heureux de vous accueillir en ma qualité ce soir de président de la SEN. Je vous accueille donc ici pour inaugurer cette maison de l'habitat. Monsieur le maire, cette maison de l'habitat, c'est bien sûr le fruit du travail de toute équipe. Là, je vois Alexandra, j'en vois Isabelle, je vois beaucoup de gens qui ont travaillé déjà depuis plusieurs mois, voire années. C'est ce que vous avez voulu, dès votre arrivée, vous avez voulu insister sur la rénovation de ce quartier. La SEN de Vence vous a entendu et s'est portée immédiatement candidate pour répondre à l'appel d'offres que vous avez lancé pour tenir et animer cette maison de l'habitat. À l'issue de cette consultation, la SEN Vence a été retenue pour cette mission d'accompagnement à la revitalisation du centre ancien, et plus particulièrement du secteur prioritaire Anthony Mars, là où nous nous trouvons aujourd'hui. En toute modestie, ou plutôt immodestie, permettez-moi, monsieur le maire, de vous dire qu'en choisissant la SEN Vence, vous avez fait le bon choix. Le bon choix, car c'est une équipe qui a une très très grande connaissance de ce centre ancien de Vence. La SEN travaille ici depuis plus de 20 ans. Elle a rénové et mis en location plus de 150 logements dans le cadre de la production du logement social conventionné. Elle a, ces dernières années, entrepris des rénovations lourdes touchant aux structures des bâtiments. Elles sont toutes ici dans le secteur. Si vous aviez du temps, vous les ferez visiter. Je veux citer la Cabrère, résidence sociale, maison relais, que nous avons réalisé en partenariat avec Happy Provence. Je ne sais pas si M. Smadja est là. Non, il n'est pas là. Le Saint-Jacques. Le Saint-Jacques qui jouxte la maison de retraite, qui est aussi une réalisation qui a nécessité de très gros travaux de structure. Cette résidence, elle est dédiée aux personnes handicapées. Le Provence, enfin, qui est en cours de réalisation avec Marcelin Morel, qui est une résidence sociale pour personnes âgées, en lien avec la maison de retraite La Vençoise. Je voudrais aussi, pour être complet, parce que nous sommes ici dans le centre de cette place Anthony Mars, citer ici la maison des artistes qui va être réalisée, qui est achetée, qui est tout de suite après la boulangerie ici, et qui comportera 5 chambres d'artistes qui seront gérées avec, là aussi, Happy Provence. La SEN de Vence travaille également depuis de longues années avec les services de l'État, la DDTM, les services de la métropole, AJ06, Happy Provence, la Solia, etc. Elle s'est également attachée des compétences, parce qu'on ne fait rien sans compétences dans cette époque. Cette compétence, c'est d'abord sa directrice qui est ici, Claire Servela, qui nous a rejoint il y a presque un an, qui est architecte urbaniste et qui est arrivée à la suite du départ de Guy Rodriguez. Elle assure l'animation et la direction de l'équipe de la SEM qui sera constituée pour ce projet de Cécile Giovanardi. Elle est dehors. C'est dommage. Il faudrait que tout le monde la voit. Ben oui, c'est important. Cécile Giovanardi qui est mise à disposition par la métropole à compter du 1er juin. Donc vous allez patienter encore 15 jours avant d'avoir ici fréquemment. Elle est désignée comme chef du projet d'animation de ce quartier. Celle-ci a toutes les qualités requises pour mener à bien cette mission. Elle est sociologue. Elle est spécialiste des politiques de l'habitat au sein de la métropole. De plus, elle est vençoise. Alors ça, c'est très important. Elle est vençoise et elle connaît donc très très bien notre ville. Nous sommes heureux de l'accueillir
au sein de nos équipes. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est elle qui vous demande de l'applaudir. Cécile, vous pouvez compter sur les équipes de la SEM et notamment sur Raymond Marie qui est ici. Raymond Marie, qui est chargé d'opération de la SEM Vence, il est spécialiste de l'habitat dégradé en centre ancien. Il a participé dans le passé, entre autres, à l'OPA du Vieux-Nice. Donc ça lui donne une bonne connaissance de ces lieux. Martine Pizzuto, qui est par là, notre assistante de direction, et Nathalie Montjoin participeront également à cette mission. Cette mission de revitalisation au travers de l'activité de cette maison de l'habitat sera complétée par deux autres types d'activités. Quand cela sera nécessaire, nous poursuivrons l'activité d'acquisition et de rénovation avec notre partenaire, la Société Immobilière Méditerranée du groupe I3F, et dirigée par M. Sautarel. Avec cette société, nous avons noué récemment des accords au terme desquels nous cédons la plus grande partie de notre patrimoine de logements sociaux et nous poursuivons une activité de rénovation pour leur compte. La SEM n'avait pas la taille critique pour poursuivre cette activité en tant que propriétaire. Elle a la taille, elle a la compétence pour le faire en tant que prestataire, mais financièrement et même structurellement, il n'était pas pensable d'avoir un avenir avec 150 logements sociaux. Il était nécessaire de trouver un accord avec un bailleur social. C'est fait. Par ailleurs, un autre aspect important, nous étudions avec le groupe Caisse des dépôts l'opportunité d'intervenir dans le rachat de murs commerciaux en vue de les restructurer et de les redynamiser. Cette activité nouvelle pour la SEM Vence se développera en association avec le service de développement économique de la ville, l'élu en charge de responsabilité Marie-Pierre Allard, voilà, et les services de la métropole, notamment Dorothée Lamé Laroche, mais qui n'est pas là, je crois. C'est un aspect important parce que toutes ces cellules commerciales nécessiterait d'être vues, pour certaines d'être réunies, pour d'autres d'être réaménagées, pour trouver preneur. Voilà. Monsieur le maire, au début de mon intervention, je vous ai dit que je pensais que la ville avait fait le bon choix, en retenant la SEM de Vence pour cette mission. J'espère tout simplement vous avoir tous convaincus. Voilà, je vous remercie.